Welcome to Français facile, easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Je vous demande également d'écouter attentivement le texte. Ensuite, à l'étape suivante, veuillez écouter chaque phrase et la répéter après moi. Une journée au bureau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée au bureau. Je me suis réveillée à 7 heures, prête pour une nouvelle journée de travail. Après m'être préparée, j'ai pris un café et un croissant pour le petit déjeuner. À 8 heures, je suis partie pour le bureau. Je suis arrivée au bureau à 8h30. La première tâche de la journée était de vérifier mes emails et de répondre aux plus urgents. Ensuite, j'ai participé à une réunion avec mon équipe pour discuter des projets en cours. La réunion a duré 1 heure. Et nous avons fait de grands progrès. À midi, j'ai déjeuné avec quelques collègues dans un restaurant proche. Nous avons mangé des salades et discuté de nos projets personnels. L'après-midi, j'ai travaillé sur un rapport important. J'ai analysé des données et rédiger mes conclusions. À 15 heures, j'ai eu une autre réunion, cette fois avec un client. Nous avons discuté de ses besoins et des solutions que nous pouvions lui offrir. À 17 heures, j'ai terminé ma journée de travail. En rentrant chez moi, je me sentais satisfaite de tout ce que j'avais accompli. Le soir, j'ai regardé un film avec ma famille et nous avons partagé un bon dîner. J'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Écoutez et répétez après moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura. Bonjour tout le monde, je m'appelle Laura. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée au bureau. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma journée au bureau. Je me suis réveillée à 7 heures. Je me suis réveillée à 7 heures. Prête pour une nouvelle journée de travail. Prête pour une nouvelle journée de travail. Après m'être préparée, après m'être préparée, j'ai pris un café et un croissant. J'ai pris un café et un croissant. Pour le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner. À 8 heures, je suis partie pour le bureau. À 8 heures, je suis partie pour le bureau. Je suis arrivée au bureau à 8h30. Je suis arrivée au bureau à 8h30.
La première tâche de la journée était de vérifier mes emails. La première tâche de la journée était de vérifier mes emails. Et de répondre au plus urgent. Et de répondre au plus urgent. Ensuite, j'ai participé à une réunion avec mon équipe. Ensuite, j'ai participé à une réunion avec mon équipe. Pour discuter des projets en cours. Pour discuter des projets en cours. La réunion a duré une heure. La réunion a duré une heure. Et nous avons fait de grands progrès. Et nous avons fait de grands progrès. À midi, j'ai déjeuné avec quelques collègues. À midi, j'ai déjeuné avec quelques collègues dans un restaurant proche. Dans un restaurant proche. Nous avons mangé des salades. Nous avons mangé des salades et discuté de nos projets personnels. Et discuter de nos projets personnels. L'après-midi, j'ai travaillé sur un rapport important. L'après-midi, j'ai travaillé sur un rapport important. J'ai analysé des données. J'ai analysé des données. Et rédigé mes conclusions. Et rédigé mes conclusions. À 15h, j'ai eu une autre réunion. À 15h, j'ai eu une autre réunion. Cette fois avec un client. Cette fois avec un client. Nous avons discuté de ses besoins. Nous avons discuté de ses besoins. Et des solutions que nous pouvions lui offrir. Et des solutions que nous pouvions lui offrir. À 17h, j'ai terminé ma journée de travail. À 17h, j'ai terminé ma journée de travail. En rentrant chez moi, en rentrant chez moi, je me sentais satisfaite de tout ce que j'avais accompli. Je me sentais satisfaite de tout ce que j'avais accompli. Le soir, j'ai regardé un film avec ma famille. Le soir, j'ai regardé un film avec ma famille. Et nous avons partagé un bon dîner.
et nous avons partagé un bon dîner. J'ai hâte de voir ce que demain me réserve. J'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Une journée à l'université. Salut, je m'appelle Lionel. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à l'université. Je me suis réveillé à 6h30 pour me préparer pour mes cours. Après une douche rapide, j'ai pris un petit déjeuner léger, des céréales et du lait. À 7h30, je suis parti pour l'université. Je suis arrivé à l'université à 8h. Mon premier cours de la journée était un cours de mathématiques avancées. Le professeur a expliqué des concepts complexes, mais j'ai réussi à suivre. Ensuite, j'ai eu un cours d'histoire de l'art. Nous avons discuté des œuvres de la Renaissance italienne, ce qui était fascinant. À midi, j'ai déjeuné à la cafétéria avec des amis. Nous avons mangé des sandwichs et discuté de nos cours. L'après-midi, j'ai assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Le conférencier invité a parlé des dernières avancées dans le domaine, et c'était vraiment intéressant. Après les cours, j'ai passé quelques heures à la bibliothèque pour travailler sur un projet de groupe. Nous avons bien avancé et j'étais content de notre progrès. À 17h, je suis rentré chez moi, fatigué mais satisfait. Le soir, j'ai révisé mes notes et préparé mes affaires pour le lendemain. C'était une journée bien remplie et enrichissante. Écoutez et répétez après moi. Salut, je m'appelle Lionel. Salut, je m'appelle Lionel. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à l'université. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à l'université. Je me suis réveillé à 6h30 pour me préparer pour mes cours. Je me suis réveillé à 6h30 pour me préparer pour mes cours. Après une douche rapide. Après une douche rapide. J'ai pris un petit déjeuner léger. J'ai pris un petit déjeuner léger. Des céréales et du lait. Des céréales et du lait. À 7h30, je suis parti pour l'université. À 7h30, je suis parti pour l'université. Je suis arrivé à l'université à 8h. Je suis arrivé à l'université à 8h. Mon premier cours de la journée était un cours de mathématiques avancées.
Mon premier cours de la journée était un cours de mathématiques avancées. Le professeur a expliqué des concepts complexes, mais j'ai réussi à suivre. Le professeur a expliqué des concepts complexes, mais j'ai réussi à suivre. Ensuite, j'ai eu un cours d'histoire de l'art. Ensuite, j'ai eu un cours d'histoire de l'art. Nous avons discuté des œuvres de la Renaissance italienne. Nous avons discuté des œuvres de la Renaissance italienne. Ce qui était fascinant. Ce qui était fascinant. À midi, j'ai déjeuné à la cafétéria avec des amis. À midi, j'ai déjeuné à la cafétéria avec des amis. Nous avons mangé des sandwichs et discuté de nos cours. Nous avons mangé des sandwichs et discuté de nos cours. L'après-midi, j'ai assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle. L'après-midi, j'ai assisté à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Le conférencier invité a parlé des dernières avancées dans le domaine. Le conférencier invité a parlé des dernières avancées dans le domaine. Et c'était vraiment intéressant. Et c'était vraiment intéressant. Après les cours, j'ai passé quelques heures à la bibliothèque. Après les cours, j'ai passé quelques heures à la bibliothèque. Pour travailler sur un projet de groupe. Pour travailler sur un projet de groupe. Nous avons bien avancé et j'étais content de notre progrès. Nous avons bien avancé et j'étais content de notre progrès. À 17h, je suis rentré chez moi, fatigué, mais satisfait. À 17h, je suis rentré chez moi, fatigué, mais satisfait. Le soir, j'ai révisé mes notes et préparer mes affaires pour le lendemain. Le soir, j'ai révisé mes notes et préparé mes affaires pour le lendemain.
C'était une journée bien remplie et enrichissante. C'était une journée bien remplie et enrichissante.